remonter. On va chercher dans ce cas-là Brown. Oh, mais on est calé. J'ai une faute là sur Brown. On va peut-être jouer la montage avec le ballon. La montagne qui est dans la surface. Oh, elle a voulu. Romain Anguard qui se fait chipper ce ballon. Oh, c'est bien fait ça. Avec le décalage de Castelmort. La montée de Champagnac qui va pouvoir remettre ce ballon. On va le remettre avec l'arrêt de Laetitia Philippe. Et derrière, on ne fait pas de détails. Il va y avoir une situation jouée avec Félicia Brown face à la gardienne. Félicia Brown, et l'ouverture de la marque pour Félicia Brown. Saint-Etienne qui mène au bout de 14 minutes dans cette partie au stade Salif Keita. Laurie Kans qui s'est également rapproché. Et c'est la fin de cette première période. On cherchait à essayer d'en profiter sur quelques contre-attaques rapides. Salomé Lizor. Oui, il y a du monde aussi là, vers la, dans la surface là, qui se rapproche du côté des Havraises. Si le ballon passe, c'est fait. Avec un ballon peut-être au Rao et l'intervention de Marine Gignoux. Devant Alina Jim. Ouais. Ah, c'est bien fait, ça, ce petit jeu. On va aller. Elle va aller défier Gignoux. Oh, le petit ballon. Et ça va être le but. De Najima, Alina Jim. Marqué. Sur ce service de Chancel FAFA, alors j'ai regardé vers l'arbitre. Le vent favorable aux Havraises, on vous le rappelle. Dans la surface, le coup de tête, le poteau et le petit filet sur cette reprise. En tout cas, voilà, c'est Cafou, il est sur le côté. Ça va vite. Najima Alina Jim qui la place bien. Avec Chancel FAFA et le but du 2-1 pour le Havre. Les Havraises qui. Elle vient de faire parer la poudre et qui renverse complètement la situation avec les Havraises qui se démultiplient là sur le côté gauche, qui vont essayer de remettre à ce ballon aux avant-postes. Najima Alina Jim qui va être au centre. Et au centre bien trouvé. L'arrêt. Eh bien non, ce sera fini. On avait peut-être 30 secondes de décalage.